Juin 1869. Mon cher Louis, j'ai reçu ce matin ta lettre que j'attendais avec grande impatience. Combien j'ai été étonnée de voir que contre toute espérance, tu étais arrivé à réaliser quelques affaires. C'est Notre-Dame des Victoires qui t'a protégé. J'ai été voir la petite Céline dimanche. Elle est très forte et vigoureuse. Si tu voyais comme elle piétine, elle a augmenté d'une livre et demie dans son mois. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter au sujet des enfants. Tout le monde sait sans doute que tu n'es pas ici, car je ne vois personne. Je n'ai pas encore aperçu de voleur. Je veille dans le magasin, je n'ose monter. Vendredi soir, j'ai veillé jusqu'à 1h du matin. Quand tu recevras cette lettre, je serai occupée à t'arranger ton établi. Il ne faudra pas te fâcher. Je ne perdrai rien, même pas un vieux carré, pas un bout de ressort, enfin, rien. Et puis, ce sera bien propre, dessus et dessous. Tu ne diras pas que j'ai seulement déplacé la poussière, car il n'y en aura plus. J'ai dit aux petites filles que tu étais à Paris et que tu avais passé à Lisieux, que tu reviendrais jeudi matin. Je t'embrasse de tout mon cœur. Je suis si heureuse aujourd'hui à la pensée de te revoir que je ne puis travailler. Ta femme qui t'aime plus que sa vie, Zélie.